me rend 5. Vous allez voir que je vous ai pas menti, mesdames, messieurs. Je ne mens jamais. Jamais. Freedom. Pour ceux qui ont pas vu Braveheart, ont pas compris la référence. Tout le temps, jamais, jamais, jamais. Alors, oh, Fell River, très bien. Freedom dans Braveheart. Braveheart. Alors, très bon petit film, Braveheart. Hein. Braveheart. Jongleur de couteau, formidable. On va faire d'abord les arbrisseaux. Alors, Freedom et hop, il bascule sur une table. C'est un peu ce qui s'est passé. Faut pas le dire, on spoil pas, évidemment. Du coup, une musique un peu de la même trempe. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a ça. Pearl Harbor. C'est un peu la même trempe de film historique, extrêmement sympathique. Qu'on adore, évidemment. Alors. Magnifique musique. Si je la retrouve. Ah, celle-là, magnifique. Regardez, écoutez, écoutez, écoutez. Extraordinaire. Est-ce que c'est un peu un Mash Freeze? Mash Freeze, c'est la merde, hein. Ah, y'a un sub! Un sub mini-moi qui vient de subscribe, merci beaucoup. Voilà, et bientôt les avantages pour les subs, hein. Très bientôt, dès lundi, je déploie mon nouveau plan de croissance pour les subscribers. Vous allez voir, ça va être la folie, hein. François Hollande va être en PLS, hein, mon gars. Alors, du coup, ok, j'ai envie de jouer ça. Je dois, on fera. Oh, j'aurais pu faire aussi dernière astuce, c'est ce druidesse du sabre qui permettait de faire Fell River. Après, je suis pas pressé pour faire le Fell River, en vrai. Ça peut être la merde. Choper le sub, il est riche. Eh oui, c'est toujours du Alzheimer pour l'arbor, évidemment. De toute façon, Alzheimer a tout fait, j'ai envie de dire. Dans ces dernières années, vu que Ennio Morricone et John Williams sont en PLS. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est relou par contre, ça. Ça casse les couilles, ça. Faut que je te dise la vérité, copain. Balayage. Est-ce que je fais balayage là-dessus pour tout clean? Je suis juste ça. Du coup, je prends 3 de dégâts, on s'en fout. Franchement, s'il n'y avait pas eu un portail instable aussi fort, j'aurais été bien. Parce que c'est fort, c'est plein de curves et tout, c'est trop chiant. Encore un sub, c'est Hamza. Hamza de ouf. Mais arrêtez de sub pour l'instant. La télé est pas prête pour accueillir des subscribers. On a rien activé pour ça. Arrêtez de faire des subs. Vous m'énervez. C'est le mec. Alors c'est le couteau pour y taper. Je garde le Fell River pour l'instant. Là-dedans, ce serait bien. En fait, j'ai fait ça que pour le couteau tape là-dedans. Ah, parfait. Et commence pas à dire que c'est de la chatte, hein. Je vous ai déjà expliqué que dans ma famille, on est jongleur de couteau de père en fils. Et voilà. C'est moi le jongleur de couteau dans Aladdin, vous savez. C'est mon père dans Aladdin, le jongleur de couteau. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ok. Bon, faudrait que je chope un gnome lépreux. Ok, pas du tout. Du coup, est-ce que je lui donne l'aspirante? Je pourrais lui donner en vrai. Je vais lui donner, je pense, du coup. Vous savez, lui perdre un cristal de mana. Ok, parfait. Très très bien. Ok. Là, je fais balayage là-dessus. Après, il n'y a plus qu'une carte dans la main, lui. J'aurais pu clean le board aussi, mais je préfère lui donner l'aspirante maintenant, c'était bien. Autant tuer l'aspirante qui joue un sort pour un moins de mana, c'est pas grave. Et lui, je pense qu'il va faire le même trade. C'est pas grave, moi je m'en fous, et derrière je fais Fell River. Et on est bien. Après, je pense qu'il y aura une pièce détachée qui va faire plein des cartes avec le Fell River. Et ça, c'est méga relou. Donc idéalement, il joue sa pièce détachée maintenant. Idéalement. Genre, il la joue maintenant, tu vois. Et là, c'est parfait. Ok. Ça, c'est boule de feu. Ah oui, d'accord, le mec est vénère. Très bien. Le mec est survénère. Mais là, du coup, c'est. S'il a pas de chat. Parce que là, il va jouer la pièce détachée, j'imagine. Là, il va la jouer pour essayer de tuer ma créature. Oh, remonte-toi. Ok. Alors, si ça pouvait éviter de tuer mon aspirant, ça serait bien. Voilà. Si ça la tue pas, j'ai gagné. Oh, bâtard, non! Ah, là, je dis non! Oh, quel scandale! Quelle honte! Mais quelle honte pour la République! Bon, c'est pas grave. Foule le board. Ok. On est bien. Alors. Le bras de fer est super stylé.
D'ailleurs, vous avez la vidéo sur la chaîne Talk et Marmotte, évidemment, où on expose un peu le bras de fer. Ok. Donc là, je perds des cartes. On s'en fout. Innervation, on s'en bat les couilles. Aspirante, on s'en bat les couilles. Et rugissement, on s'en bat les couilles. Et pioche deux cartes. Ça, ça casse trop les couilles, ça. Parce qu'il était trop au fond. Et là, il va pouvoir rejouer masse carte. Oh là là, c'est tellement la PLS. Ah, c'est chaud là. En plus, ça full face. Ah, il repose dans la petite flamme. Oh, et là, imagine, je vais porter les chances des arcanes. La game est tellement perdue. Oh là là, oh, fait le river, j'aurais bien aimé le garder celui-là. Druid de la griffe, pareil. Oh, s'il y a un tel des arcanes, je me suis. Oh non, mais j'ai pas de chat. Mais j'ai pas de chat, les viewers, faites quelque chose. Faites quelque chose. Et là, je perds Dr. Boom, évidemment. Regardez, ça, c'est Dr. Boom, ça. Putain de merde. Et là, il va full face comme un animal, c'est ça? Exactement. Exactement ce qu'il fait, donc. Ok. Ah, super, Gnome Lépreux. Il me reste vraiment la meilleure des cartes. Hein. Ça, c'est vraiment formidable. La meilleure de toutes, je suis très content. Trade. Rampant tenté. Ok. Alors, on est pas très bien. Hein. C'est pas la fête. En vrai, si vous récupérez que des cartes de merde, ça m'arrangeait. Parce qu'il me reste plus que 6 cartes dans mon jeu. Ah, mais je vais perdre toutes les cartes de mon deck. Oh putain. Ok, ça m'en fout, ça va. Je perds combien? Attends, il me reste plus que 3 cartes là. Je crois que j'ai perdu. Hein. Oh, je perds le deuxième druide de la griffe. Je me suis tellement volé. Je me suis grave volé cette game. Hein. C'est un vol, mon gars. Un vol manifeste. Il va trade le Fel River? Ok. J'espère qu'il reste des bonnes cartes. Hein. Et là, innervation. Putain, rougissement. Merde. Merde. Vas-y, je tente une strat de malade. Je tente le place, vas-y. Et admettons que je puisse. Admettons qu'il me reste une force de la nature. Admettons. Admettons qu'il me reste une force de la nature. Je le tue en deux tours là. Admettons, admettons, admettons. Admettons. Qui sait? Parce que j'ai rien suivi au Fel River. Ok, Anthony Das. Admettons. Ok. Il va tuer le gnome lépreux. Admettons, admettons. Là, il me reste une force de la nature, du coup. Admettons que ce soit pas un... Admettons que ce soit pas un contre-sort. Admettons. Qu'est-ce que je fais, du coup, là? J'ai combien de dégâts? J'ai 14, 17, j'ai 20. J'ai 20 de dégâts. Bon, YOLO, je le mets à 2. Parce qu'en vrai, c'est pas un contre-sort. Admettons. Admettons, continuons à admettre, mesdames, messieurs. Admettons, admettons. Admettons. Admettons qu'on vole la game. Qui sait? Qui suis-je, moi? Qui suis-je pour, suis-je pour voler une game? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Admettons, admettons. Admettons qu'il n'ait pas de sort, qu'il récupère un savant fou par exemple, admettons. Admettons, 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 admettons. Admettons qu'il n'ait pas eu récupéré un sort. Admettons qu'il ait un Yeti mécanique. Un Drake Azur. Mais admettons qu'il pioche de la merde avec ça. Admettons, admettons, admettons. Admettons. Admettons que la dernière carte, ce soit un balayage. Admettons. Admettons! 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 Et voilà, 5 victoires de suite, ça c'est fait. Admettons. Rang 6, voilà. Bonjour.